May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Frère Branham, sur le plan familial à domicile, pour faire part de, je ne parlerai pas vraiment de la voix de Dieu ou de l'œuvre, mais simplement leur faire voir la vie de Frère Branham à domicile, peut-être se sentir plus proche de lui, vous savez, simplement le connaître sur le plan familial. Ainsi, je voudrais partager avec eux quelques petites choses sur comment Frère Branham se comportait à la maison en espérant les encourager. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de très éloigné, mais c'est simplement ici, juste leur montrer qu'ils se sentent vraiment concernés. Juste leur faire savoir qu'ils le verront un jour aussi, qu'ils verront notre Seigneur Jésus. Et toutes les promesses que la famille Branham et les croyants aux États-Unis, nous nous tenons avec eux. C'est comme une foi précieuse, c'est quelque chose qui vient de l'autre bout du monde et ils croient le même message comme nous. Ça pourrait être dans une autre langue, dans une autre culture. Comme toi, tu as été partout dans le monde, tu es plus expérimenté que moi, tu as été en Inde, aux Philippines et dans beaucoup d'autres de ces endroits qui croient le même message, un peu différent dans la façon, la manière dont ils conduisent leurs réunions. C'est différent, mais c'est le même Dieu, le même. Amen. Le même esprit. Ce n'était pas seulement, tu sais, derrière la chair ou quand il était avec les gens, mais quand il était aussi à la maison avec sa femme, quand il était avec nous les enfants, qu'il se comportait de la même manière. Il n'a pas seulement prêché ce message, mais il a vécu ce message. C'était dans sa vie de tous les jours et les choses qu'il faisait. Quand il allait acheter l'essence à la station, quand il allait acheter le pain ou le lait, quand il voyait quelqu'un dans la quincaillerie, c'était toujours ce même esprit. Et certaines personnes, ne croient pas, peut-être que Frère Branham ne faisait pas vraiment ces choses. L'expression américaine, c'est « let your hair down ». Tu deviens sympa avec les gens. Tu mets tes vieux pantalons, tu sors pour faire ton jardin et tu creuses. Et tout le monde voyait Frère Branham souvent en chemise, en cravate. Ils ont vu des photos de lui à la chasse. Mais c'est comme un mystère pour eux. Nous espérons, si le Seigneur le veut, à travers les vidéos, peut-être juste dire quelques mots, nous pouvons les amener encore plus près. Un jour, nous irons au-delà de ceci. S'il fait beau ici, combien plus beau ce sera de l'autre côté? Loué soit Dieu. Nous devons vivre chaque jour comme si notre Seigneur venait demain. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient. Parce que ça sera en un clin d'œil. Et nous devons toujours être prêts. Nous étions tous perdus un jour. Nous étions en train de sombrer rapidement. Mais le Seigneur a eu pitié de nous. Et il nous a envoyé un prophète qui nous a raconté ce que dit cette parole. Amen. Vous croyez cela ce soir? Le Seigneur Jésus nous a donné une carte routière. Et c'est appelé la parole parlée. Il nous a envoyé la voix de Dieu. Et c'est la carte routière en ce temps de la fin. Et il nous a montré le chemin du ciel. Il nous a indiqué quel chemin emprunter. Si nous n'avions pas cette carte routière, nous irions droit en enfer. Mais cette carte routière conduit droit à Jésus. Amen. Comme Frère Gérard a parlé tout à l'heure,
Il a dit que nous avons un modèle dans notre jour. Que Frère Branham n'a pas seulement prêché le message, mais il a vécu le message. C'est ce que nous devons faire. Il ne suffit pas seulement de pointer à Frère Branham. Je crois que c'était la première semence qui est arrivée à maturité et a été agitée devant les gens. C'est ce que nous devons devenir. Frère Branham était donc comme vous et moi. Mais il était un homme honorable. Il prenait toujours soin de ses effets. Nous racontions à Frère Peterson et sa femme que lorsque Frère Branham quittait la maison, et quand il rentrait à la maison le soir, je suis tel habitué à enlever simplement mon pardessus puis le jeter par terre. Puis mes chaussures vont se retrouver quelque part ailleurs. Mais Frère Branham n'a jamais fait cela. Il prenait toujours ses vêtements et les mettait là où ils doivent être. Il enlevait ses chaussures et les mettait là où elles doivent être. Il prenait son pardessus et son pantalon et les plaçait. Sœur Branham nous disait à nous, ses enfants, qu'elle n'a jamais eu besoin de ranger après que Frère Branham soit passé. Quand il sortait après avoir pris une douche, il prenait la serviette et nettoyait les murs. Il nettoyait la baignoire. Tout était exactement comme lorsqu'il était entré. Il prenait vraiment soin de tout. Sa voiture, son moteur, là où se trouvait son moteur, vous auriez pu manger dessus. Il enlevait l'huile et tout. Et si quelque chose devenait sale, il y allait et le nettoyait tout de suite. Et dans tout ce qu'il faisait, ce n'est pas juste du hasard. Il était une personne très ordonnée. Je crois que les Allemands vont apprécier cela. Parce que vous êtes des gens très ordonnés. C'est de cette manière que Frère Branham se comportait. Cet esprit était autour de lui tout le temps. Quand il chassait, et qu'il était avec un groupe de frères, et qu'il était prêt à aller dormir le soir, Frère Branham allait auprès de chaque homme et demandait : voudriez-vous boire de l'eau ? Avez-vous besoin d'une autre couverture ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Lorsqu'il avait pris soin de tout le monde, alors Frère Branham allait dormir. Ainsi, il a montré la vie de Jésus-Christ tout le temps. Et il nous a donné un exemple. C'est de cette manière que nous devons nous comporter. Parce que nous sommes des épîtres vivantes lues de tous les hommes.